Bien écoutez, j'ai 54 ans, bientôt, en septembre. Et donc, j'étais athlète de très bon niveau, marathonienne, crosswoman, quand j'avais 20 ans. Et j'ai eu la vocation de devenir docteur en physiologie de l'exercice, puis ensuite professeur universitaire, professeur des universités, et maintenant chef d'entreprise, pour permettre de découvrir la meilleure façon de s'entraîner pour pouvoir faire des performances tout au long de sa vie, se faire plaisir surtout. Et rappelle-nous ton temps de marathon. 2h47. 2h47. Il y a longtemps, très longtemps. Ouais. Et surtout gagner aussi des grandes courses de montagne. Voilà. Des trails, comme on dit maintenant. Mais à l'époque, c'était des courses en Suisse qui permettaient de monter des montagnes le plus vite possible dans un décor scénique au pied des 4000 mètres à Zina. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de trouver les méthodes d'entraînement les plus courtes possibles, hein, qui permettent de s'insérer dans la vie de tous les jours, parce qu'on a tous des emplois du temps chargés. Et puis, il y a tellement de choses merveilleuses à faire dans la vie, on ne va pas passer des heures et des heures d'entraînement. Donc, le but, c'est de permettre à chacun de trouver la méthode d'entraînement qui va permettre d'être plus performant, peut-être aussi performant à 50 qu'à 25 ans, 70 ans. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'entraînement tout au long de la vie. C'est formidable, c'est formidable. On a donc cette discussion aujourd'hui au sujet de la longévité, au sujet d'une vie agréable, une vie forte qui dure. Et donc, tu nous expliques qu'en fait, une grosse composante de bien vivre et de bien vieillir également, c'est de garder une réserve de force, c'est ça, tout au long de la vie. Donc, explique-nous si tu as des points de recherche sur les études qui ont été faites sur le VO2 et le lien avec la longévité. Tout à fait. Eh bien, par exemple, pour reprendre l'exemple d'un centenaire dont je m'occupe, Robert Marchand, qui a 103 ans, on l'a suivi entre l'âge de 99 ans et 103 ans dans l'évolution de sa performance au record du monde. Il a commencé par 24 km/h, puis dans l'heure cycliste, et puis pour arriver à 27. Et j'ai fait des tests 2-3 fois par an entre l'âge de 99-100 ans et 103 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on a réussi à améliorer son VO2 max en lui donnant plus de force, plus de puissance, plus de force et plus de vélocité. Mmh. C'est-à-dire que la puissance musculaire, c'est des watts, c'est le produit de la force de pédalage fois la cadence de pédalage. Mmh. Quand on a un développement, eh bien, quand on n'est pas très fort, on met un petit braquet. Mais il faut trouver le bon compromis entre pédaler vite et pédaler fort. Mmh. Et Robert Marchand, il a amélioré son VO2 max, sa consommation d'oxygène, parce qu'il a augmenté sa force et sa cadence de pédalage. Et quand on vieillit, on a tendance surtout à perdre de la force musculaire et de la vélocité. D'accord. Voilà. Alors que la pompe cardiaque est relativement, si on n'a pas eu de problème avant, parce que pour arriver de toute façon à l'âge de 100 ans, on a déjà échappé à beaucoup de pathologies, on va dire. Oui. Et cancer, problèmes cardiaques. Donc, si on est en bonne santé à cet âge-là, ce qu'on a d'abord perdu, c'est de la force musculaire. Mmh. On perd beaucoup de force musculaire. Beaucoup de gens se font mal en tombant avec l'âge. Oui. Ce sont des problèmes d'équilibre et donc des problèmes de force d'une certaine manière. Bon, il y a d'autres choses. Oui. Hein. Mais donc, garder cette réserve, finalement, d'intensité, force, oui. D'intensité vraiment, se reflète dans le VO2 max. Voilà, c'est-à-dire que l'entraînement doit être très ciblé, surtout après 50 ans, autour des exercices de puissance, de force, vitesse. Donc des exercices très courts, avec en fait la force, comme disait Newton, c'est la capacité à accélérer de masse à une certaine accélération en mètres secondes moins 2. Donc un Newton, c'est la capacité d'accélérer un poids d'un kilo d'un mètre seconde moins 2, tout bêtement. Et la force, on peut la travailler en composante d'accélération ou en composante de masse. Donc, si je décide un jour de travailler l'accélération, il suffit que je fasse des petites sprints de 30 mètres en accélération. Là, je travaille ma force. Et puis, si je veux travailler ma force en accélération et en masse, eh bien, il suffit que je mette un peu de gravité, de la pente. Et là, je vais augmenter mon poids de corps par la pente. Donc, il y a plusieurs façons de travailler sa force de façon très ludique. D'accord, très bien. Merci Véronique. Avec des choses à philosopher. Au revoir.